ça va vous? Je vous ai clairement abandonné. Hein. Ça doit faire un an et demi maintenant. Je vais pas vérifier, mais on doit pas en être loin. C'était pas franchement volontaire, mais il s'est passé 2-3 petits trucs dans ma vie hein, pour ma décharge. J'ai commencé l'été dernier par faire 3 mois de formation, juillet, août, septembre. Quand la formation s'est terminée, j'ai enchaîné directement sur un nouveau boulot, donc avec des horaires de boulot absolument classiques. Ce qui fait que j'aurais pu tourner les week-ends ou le soir en rentrant quand il fait nuit, à la lumière artificielle, etc. Ce qui n'est pas franchement super sympa. Donc j'ai un petit peu laissé traîner. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'hiver dernier, on parle d'un petit virus. Qu'on s'est quand même pris une belle pandémie en plein dans la gueule. Et qu'entre temps, j'ai une petite fille qui est née au mois de juillet dernier. Donc c'est pareil, hein, ça chamboule un petit peu l'existence et l'organisation. Donc, eh bien, nous revoilà un an après. J'ai très envie de reprendre les vidéos. Je commence à trouver un petit rythme, à m'organiser un petit peu plus. Ce qui n'est pas gagné. Mais j'ai très envie, comme je le disais, de reprendre les vidéos, de vous reparler de plein de choses diverses et variées. De vous parler aussi de choses qui me concernent un peu plus maintenant en lien avec les bébés, la maternité, etc. Et puis continuer de vous parler de minimalisme, d'écologie, de zéro déchet. Par contre, je ne sais pas du tout à quel rythme je vais me remettre à faire des vidéos parce que l'organisation est encore un petit peu bancale, un petit peu précaire. La demoiselle n'aime pas trop faire de sieste ou pas très longue ou plutôt dans mes bras, donc c'est encore un petit peu compliqué. Mais dès que j'aurai 5 minutes, j'aurai très à cœur de vous repartager des choses. Mine de rien, ça m'a un petit peu manqué. J'ai essayé de suivre au maximum les commentaires que vous me laissiez pendant ce temps-là. J'ai compris, je m'en excuse, j'ai compris. Je vais vous faire un update sur le lombricomposteur. Je pense que c'est la quasi-totalité des commentaires que j'ai eu pendant mon absence. Fais-nous un update, dis-nous comment ça fonctionne maintenant, t'en es où, est-ce que tu l'utilises toujours et j'en passe. D'ailleurs, j'en profite, si vous avez des questions de sujets que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que voilà, vous avez des idées, des questions à me poser, je ne sais pas, que je pourrais aborder dans de futures vidéos. Donc voilà, c'est reparti pour un tour, j'ai envie de dire. Je suis bien contente de retrouver ma caméra, mon trépied, mon petit canapé. Et évidemment, je vous rassure, le chat est toujours juste ici. Donc vous continuerez très probablement à le voir passer, à l'entendre miauler. Enfin, je veux dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Je voulais profiter de mon retour sur YouTube pour vous parler d'une super boutique que j'ai découvert il y a quelques jours, qui s'appelle La Tête dans le Bocal, qui se situe juste à côté de Strasbourg. Je vous mettrai de toute façon tous les liens, les adresses, etc. en barre d'infos. C'est une boutique de vrac, donc de zéro déchet, mais sous format de drive. Comment vous dire que le zéro déchet ces derniers temps, je vais pas dire que c'était le cadet de mes soucis, mais clairement il en a pris un coup. Hein. Non pas par manque de conviction, mais tout simplement avec un nouveau-né, j'évite de faire 12 magasins différents. Donc j'allais au plus simple, les petits supermarchés juste à côté de chez moi où tout est emballé, suremballé, méga giga emballé. Mais à partir de maintenant, ça va changer puisque donc le magasin La Tête dans le Bocal a ouvert il y a 2 semaines il me semble et c'est une révolution. Il vous suffit d'aller sur le site internet sur lequel vous allez trouver toutes les catégories de produits, que ce soit l'épicerie sucrée, l'épicerie salée, l'hygiène, l'entretien de la maison, des produits ménagers, etc. Il y a même une catégorie de produits frais, ce qu'on trouve pas forcément dans les magasins de vrac traditionnels, vraiment uniquement dédiés au vrac, avec des fruits, des légumes, des yaourts, des laits végétaux, etc. Vous faites tout simplement votre shopping sur le site en ligne. Vous pouvez y trouver des céréales, des pépites de chocolat et vous trouvez aussi des produits tout prêts, chose que j'apprécie grandement parce qu'en ce moment j'ai pas vraiment le temps de faire à manger. Et une fois que vous avez fait votre shopping en ligne, vous sélectionnez le créneau auquel vous désirez venir récupérer votre panier,
vous arrivez en voiture, vous garez devant la boutique, vous vous présentez, et comme par magie, votre commande est prête, vous n'avez plus qu'à la mettre dans votre voiture. Lorsque je suis allée chercher ma première commande, j'ai eu l'occasion de discuter avec la fondatrice, qui est vraiment quelqu'un qui a pensé le concept jusqu'au bout. Quasiment tout est local. Je crois qu'elle m'a dit que 50% des références qu'elle propose viennent d'Alsace, et que 90% ou un peu plus de 90% des références en fait sont françaises. Et les 10 derniers pourcents, c'est par exemple les épices ou les choses qu'on ne peut pas cultiver en France ou très difficilement. Mais elle a vraiment super bien réfléchi au concept et c'est super chouette. Elle m'a montré un petit peu l'envers du décor et comme vous le voyez, tout a été mis en bocaux par ses soins. Elle prépare à l'avance avec ses associés. C'est une petite entreprise familiale puisque ses associés sont son conjoint et son papa. Ils s'occupent de réceptionner en gros conditionnement les produits et ils les mettent eux-mêmes en bocaux. Et vous, quand vous passez, vous récupérez vos bocaux déjà tout fait, étiquetés avec un QR code que vous pouvez flasher pour avoir toutes les informations du produit. Donc j'ai trouvé ça super. Et ces bocaux-là, quand vous les avez terminés, vous les ramenez, ils seront nettoyés, ils seront remis en service pour les prochaines commandes sur le drive. Là, pour le coup, c'était de la farine blanche. J'ai aussi pris du sirop d'érable qui, pour l'anecdote, est vraiment le meilleur sirop d'érable que j'ai pu goûter. Qui vient du Canada, hein. Donc là pour le coup ça fait partie du petit pourcentage de produits qui n'est pas local. Et elle m'expliquait par exemple que cette bouteille est consignée par le fournisseur et qu'il suffit de la rincer et de lui ramener la prochaine fois et que le fournisseur lui va la récupérer, va vraiment complètement la nettoyer pour la remettre dans le circuit lui aussi. Donc elle a vraiment réfléchi tout le concept pour qu'on ait le moins de déchets possible. Du côté des fruits et des légumes, j'ai pris cette butternut géante, une patate douce, des pommes alsaciennes délicieuses, vraiment super bonnes, des petites carottes, des pépites de chocolat noir, pour les cookies, ça devrait être pas mal, des pois cassés, du porridge chocolat noisette, qui est déjà bien entamé. Je suis navrée, j'ai pas pu attendre de filmer la vidéo pour goûter et il est absolument délicieux. Du bicarbonate de soude pour le ménage. Et ensuite j'ai pris plusieurs produits de la marque Karine et Jeff, qui est une marque de produits préparés mais cuisinés en France. Et ça me sauve pas mal parce que j'ai pas franchement le temps de cuisiner en ce moment. Donc là c'est du tofu tandoori, une soupe dolce vita à la butternut, potimarron et cannelle. Ça doit pas être dégueu. La soupe marocaine aux légumes, pois chiches et abricots secs. Je pense qu'elle va pas faire en feu. Ratatouille à l'huile d'olive, le classique qui dépanne. Et enfin j'avais pris aussi une autre soupe, potiron musqué de Provence, châtaigne. Donc voilà, vous aurez compris que la thématique c'est des plats préparés qui se réchauffent très rapidement, qu'on peut réchauffer avec un bébé dans les bras. Je suis vraiment ravie de la découverte de cette boutique. Cette vidéo d'ailleurs est en partenariat avec La Tête dans le Bocal. Mais ça ne change rien sur mon avis. Je suis vraiment super contente et conquise par le concept. Le comeback des courses en vrac, mais en drive. Et pour ceux qui habitent Strasbourg et les alentours, j'espère que vous aurez l'occasion de tester ce drive. C'est vraiment une superbe idée. Sincèrement, je ne vois aucun point négatif. En plus de ça, la fondatrice m'a annoncé qu'à partir de 2021, ils allaient reverser 1% de leur chiffre d'affaires mensuel à une association différente, donc 12 associations sur l'année. Tout n'est pas encore décidé parce que comme c'est une entreprise familiale, ils veulent choisir ensemble les associations auxquelles ils vont reverser ce chiffre d'affaires. En tout cas, me revoilà. J'espère que ça vous fait plaisir de revoir ma tronche ici. Je vais essayer d'être la plus régulière possible, de vous poster du contenu assez régulièrement. Dans tous les cas, je suis plus active sur Instagram parce que beaucoup plus instantané et beaucoup plus facile pour moi. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez dans les commentaires. Et je me ferai une joie d'y répondre dans les prochaines vidéos. En attendant, je vous embrasse. Enfin, distance de sécurité, tout ça. Et je vous dis à la prochaine.